Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour vous présenter une astuce pour réaliser 12 primes en 10 minutes, 10 primes en 12 minutes, ce qui fait quasi une prime par minute. C'est franchement un ratio Non, pas ça. extraordinairement bluffant. Je vais à une vitesse hallucinante, comme vous pouvez le remarquer. Tout ça en équipement de deux Pas arbalètes encore prêt. qui sont unique, c'est un équipement unique, vert, et ce qui va vous permettre d'utiliser de la discipline pour votre acrobatie à la place de la haine. Votre discipline est plus facilement rechargeable, rien qu'en criant avec le cri du loup, vous rechargez à moitié votre discipline, et en simplement tirant avec une attaque primaire, la discipline se recharge. Je fais cette vidéo, je tiens à prévenir que je fais cette vidéo avec Share Factory. C'est la première fois que je me filme et que j'enregistre vocalement mes vidéos, mes explications. D'habitude, je fais toujours par écrit. Mais là, je me suis dit que je vais me mettre à l'actu et je vais me mettre à la page. Et je vais faire comme un peu tout le monde, commenter mes vidéos en direct. Donc voilà. Vous voyez la pierre sanctuaire que je viens de prendre? En fait, j'ai un gant qui fait que chaque sanctuaire que je prends, une pierre. Non, pas Une encore. tour comme ça qui me donne de la vitesse en plus, de la force en plus, ou alors de la résistance, de l'expérience, ou de la diminution Pas du encore temps de prêt. recharge. Tout ça, ça dure 10 minutes. Chaque pierre dure 10 minutes. Au lieu de durer 60 secondes, ben, elle dure 10 minutes. 10 fois plus. Ouais. Il faut que C'est j'utilise ça. franchement un équipement très très utile pour faire les primes, justement. Parce que si vous en avez besoin, bien sûr, moi je suis totalement Pas d'accord de encore vous la prêt. décupler et de vous l'envoyer sur votre pseudo. Enfin, vous m'ajoutez par via PSN parce que je suis un joueur de PlayStation 4. Vous m'ajoutez. Mon pseudo c'est Sois Cool. Plus de temps. Et je me ferai un plaisir de vous envoyer cet équipement. Bien sûr, je vous enverrai les deux arbalètes si vous ne les avez pas non plus. Donc voilà. Moi j'ai réalisé plus de. Hier j'étais Non, à pas encore. 75 primes. J'ai fait 200 primes en 3-4 heures environ. Avec cette technique-là. Il Et faut que j'utilise ça. donc là je suis à 275 primes. Aujourd'hui je vais me retaper 2-3-4 heures. 3-4 heures Non, pas encore prêt. de rush comme ça. Je vais rusher des primes. Et normalement, je vais débloquer le trophée après 3-4 heures et j'aurai mes 500 Pas primes. encore prêt. J'ai trouvé cette astuce pour réaliser le trophée de 500 primes justement, car c'est le dernier trophée qui me manque pour réaliser Non, le pas trophée encore prêt. platine, pour obtenir le trophée platine. Bien sûr, j'ai mis du temps à le faire, mais le trophée platine, mais j'avais acheté le jeu avec un ami, ce Pas encore qui, prêt. comme avec le travail et tout ça, j'ai pas trop eu le temps d'y jouer, ben. On n'a pas su le faire à deux, donc je l'ai fait un peu avec du retard. Et bien sûr, les primes, c'est quelque chose qui me faisait chier, donc je ne les ai pas faites dès le début. Je Il voulais faut que attendre j'utilise à ça. la fin pour que mon perso soit boosté et que j'avance d'une traite pour rusher tout. Donc voilà, je le fais maintenant parce que là, je crois que mon perso, il est. Pas Je encore ne peux prêt. pas l'avoir plus rapidement possible que ça. Je ne crois pas que je ne pourrais l'avoir. À part en paragon d'email, mais ça, il faut. Trafiquer sa sauvegarde, or je ne sais Il pas faut faire que ça. j'use des pommes. Et voilà. Bien sûr, vous pouvez Non, pas apercevoir que encore. mon perso il est glitché parce que je fais des nombres à 25 chiffres de dégâts. Ce qui est bien sûr impossible en tant que personnage non glitché. En fait, j'ai des gemmes spéciales. Il faut que Qui me j'utilise ça. donne des millions de. Qui sont au niveau million en fait, des gemmes spéciales évoluées à 2 millions. Donc ce qui me donne des pourcents de dégâts 2 millions de fois pourcents plus puissants, etc. etc. Mes petits personnages, mes petits Non, pas bonhommes là, encore comme vous prêt. voyez, mes trois loups, mon sanglier, mon araignée, mes deux furets, mes deux chauves-souris. Eh ben, c'est mes compagnons, et ils ont plus de dégâts de pourcentage, plus 2 millions aussi de pourcentage de dégâts. Ce qui fait que j'ai juste à avancer, mes bêtes font tout le reste. Pas encore prêt. Donc voilà.
Bien sûr, si vous voulez réaliser ce trophée avec un perso non glitché, il faudra absolument aller dans le niveau normal. Moi, je suis en tournement de 6. Bon, vous irez en difficulté normale parce que sinon, vous n'arriverez pas à aller aussi vite. Et voilà. Je vous présente le personnage à la fin. À la fin, je vous expliquerai de quoi s'équiper exactement. Les compétences aussi, bien sûr, vous les mettez en fonction de votre jeu. Bon, moi je vais vous les montrer, mais bien sûr, chaque compétence est propre. Moi je me suis équipé, j'ai mis ces compétences-là en espérant que ça augmente quelque peu ma vitesse, mais sans aucune certitude. Donc voilà. Sur ce, ben, je vais vous laisser regarder la vidéo et on se dit à la fin de la vidéo pour que je vous explique exactement. Allez, à tout à l'heure. À dans 4 minutes. Plus de temps. Pas encore prêt. Plus de temps. Tout est de la faute de Justinien. Quel roi il fait! Non, pas encore. Pas encore prêt. Les nobles me menacent d'une fronde pour me forcer la main. Ils m'abandonneront, ou pire. Il faut plus de temps. Une héroïne, enfin. Ça semble prometteur. Montez la garde. Si je me fais bouffer, ce sera votre faute. Ah, rien. Pas encore prêt. Non, pas encore. Il faut plus de temps.
temps. Pas encore prêt. Il faut plus de temps. Plus de temps. Non, pas encore. Donc voilà. Là, je viens de finir 10 quêtes en 12 minutes. Ça fait 12 minutes que la vidéo est active. Et encore, je suis sûr que je l'ai fait en 11 minutes, même en 10 minutes. Et c'est un ratio de mal. Alors là, 1 minute par prime, c'est magnifique. Donc là, je vais vous présenter. Là, j'ai fait toutes les primes. Là, voici l'arbalète. Comme vous pouvez le voir, l'arbalète que je vais descendre. Voilà. Elle fait. Comme vous voyez en vert, si je m'équipe des deux arbalètes, j'ai une compétence spéciale qui utilise 8 points de discipline à la place de haine, ce qui me permet d'utiliser beaucoup moins. Il me faut ces deux arbalètes-là. Là, je vais vous montrer le gant aussi, que je vous parlais tout à l'heure, qui me faisait 10 minutes, que les sanctuaires diraient 10 minutes. C'est ce gant-là. C'est un gant légendaire. Bien sûr, si vous n'avez pas ces équipements-là, rien qu'avec ces trois équipements, les autres c'est des équipements glitchés, je ne vous les montre pas. Par contre, si vous voulez les équipements, vous m'ajoutez, je vous les enverrai. Avec plaisir, je vous les enverrai. Mon pseudo c'est Soicool, je le répète. Donc voilà, mes compétences, voilà, acrobatie, j'ai mis acrobatie avec des tirs des flèches, là j'ai mis ça sert à rien, ça. Ça, il faut laisser en équiper, ça rebooste votre discipline à moitié, ça on s'en fout. Le triangle rond, ça on s'en fout aussi. R2, ben voilà. R1, ça on s'en fout aussi. Et voilà, les compétences, ben enfin les passives, compétences passives, ben ça voilà, j'ai mis ça. Vous mettez pause sur la vidéo et vous regardez si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, je clôture cette vidéo et vous souhaite une très bonne fin de journée ou début de journée ou bonne soirée. Allez!